reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens, la lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir. L'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est de mise. Je vous en prie, soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule ? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, je... Allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne. Ne
crois-tu pas? C'est vrai. Ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde, l'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Iru. Attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Mmm.